coup avec le manager d'équipe Person. L'un des managers d'équipe Person, Eze. Déjà, première question, bilan de la journée. Qui est encore en liste? Qui est éliminé du coup? Bilan de la journée, je dirais moyen, puisqu'il y a plus que moi et Neyus qui sommes qualifiés pour le deuxième jour. On espère un peu plus, mais du coup, c'est déjà pas mal. Moi, je suis en winner bracket, Neyus, il est en loser. On a des chances d'arriver, d'avoir un Manticore dans le top 3, donc c'est cool. Après, on aimerait bien avoir un Manticore en top 1. Mais du coup, le bilan, c'est moyen. C'est à peu près l'objectif qu'on s'était fixé, mais si on avait pu faire mieux, ça aurait été... Il y a eu des surprises par rapport aux qualifiés ou, bah, ou alors, les attendus étaient attendus, sont toujours présents? En fait, au niveau des qualifiés chez Manticore, ouais. Bah en fait, les deux que personne n'attendait, c'est nous deux. Donc oui, il y a des surprises du coup. Tous les autres, ils jouaient une line-up assez classique, assez robuste en général. Nous, on joue un peu des trucs what the fuck. Et du coup, on est les deux seuls à s'en être tirés. Donc ouais, on peut dire que c'est une surprise. En général, on n'est pas les deux qui ont le meilleur niveau. Mais voilà. Quelque chose à dire, Anaïs? Absolument pas, t'as tout dit. Donc, comme t'as dit, tu es en demi-finale le winner. Et Neyus est en demi-finale loser. Non, quart de finale. Quart de finale loser. Pareil, un petit bilan du tournoi personnel du coup, pour toi? Personnel, assez content de ce que je viens de faire, ça va. J'ai perdu un peu tôt dans le début du winner bracket, mais ça se remonte en ce moment et c'est positif. Je sens bien. T'avais eu un objectif avant la LAN ou tu t'es pas fixé l'objectif? T'es allé en mode je donne tout et on verra qu'est-ce que ça donne? Non, je voulais surtout passer les poules déjà. Et c'est objectif. Déjà fait, et c'est cool. Maintenant, c'est que du bonus, on va essayer de monter au max, d'aller au plus loin. Ok, donc... Il a gagné quelque chose d'intéressant, c'est que Den a juré que s'il passait jour 2, il le portait de l'hôtel à la voiture demain matin. Donc on espère que ça sera filmé et qu'il y aura des preuves des paroles de Den, parce que voilà. Et moi, si je passais... c'est quoi le truc? Si je passais top 4, vous jouiez tous ma line-up pendant un mois, non? C'est pas un truc comme ça? Non. Il me critique depuis 3 mois. Voilà. Je sais plus lequel, mais si vous pouvez tous le faire, moi je veux bien. Si je fais top 1, vous vous engagez tous à le faire, comme moi. Voilà. voilà, du coup, ça sera du bonus pour nous deux parce qu'on s'attendait pas à être là. Donc, donc comme tu l'as montré, il y a ta coupe. Ta coupe qui est un peu spéciale, on s'attendait pas. Devant, tu peux nous expliquer de derrière. C'est une LAN, c'est que des cheveux, on est là pour s'amuser, on se rend compte pas si souvent que ça, donc c'est juste pour mettre la bonne ambiance et pour montrer à mon équipe que je crois en eux, donc voilà. Tu peux nous le montrer? Ouais. On voit bien le MTC. J'espère. Bon, quelques jours encore. Vous rejouez demain à quelle heure? À 9h du mat, et ouais. Ça va être dur, mais bon. On aurait préféré un peu plus tard, mais apparemment l'équipe Hearthstone le tournoi Hearthstone a pris de l'avance. Faut pas qu'on fasse de concurrence à CSGO qui est un magnifique jeu de merde. Excusez-moi l'expression. Donc voilà, on jouera aux cartes entre hommes civilisés demain matin. D'accord, bah merci à vous deux. Et puis bah bonne chance. On se revoit demain. Merci.